Alors bonjour, une nouvelle vidéo de présentation. Alors là, j'ai reçu une boîte complète de Mystery Minis de Deadpool. Donc on va ouvrir quelques boîtes ensemble et puis on va voir ce qu'on va obtenir. Il y en a 12 dans une boîte. Voici la boîte. Il y en a 12. Et puis voilà, je vais commander une boîte complète et puis on va voir ce qu'on va avoir. Allez, on commence tout de suite. On va faire les 6 premiers, puis on verra ensuite. Voilà. Alors, on y va. Essayez de pas trop les abîmer. Voilà, oui. Sur l'arrière de la boîte, vous avez l'ensemble de la collection. Alors avec le taux de rareté pour certains, ça varie de 1 à 6 à 1 sur 72. Voilà, donc bon, on verra ce qu'on va obtenir. C'est des Bubbleheads. Voilà. Alors, on a un. Un punk, donc voilà. On va mettre dans la boîte le punk. Alors ensuite, donc celui-là c'est 1 sur 6. Deuxième. Ah, on a décidément le punk. C'est 2 sur 2 là. Pas de chance. Bon. Au revoir. Suite. On veut pas que je vous montre de nouveaux modèles, on dirait. Le Groom. Ah, joli celui-là. Voilà. Ok. Donc lui aussi, c'est 1 sur 6. Je vais en ouvrir 6 pour une première vidéo, puis j'ouvrirai les 6 autres la prochaine fois. On verra ce qu'on aura. Le Groom, décidément. Alors, on n'est pas très chanceux là sur ce coup-là. Deux Groom, deux Punk. Vraiment pas beaucoup de chance, on va dire. Le docteur, toujours 1 sur 6. Il est marrant celui-là. Éclaci, le cœur dans les mains. Original. Bon, j'espère que c'est pas encore un docteur qu'on a derrière. Mais là, vraiment, ça va pas le faire sinon. Et si, c'est encore un docteur. Vraiment, c'est mal foutu leur boîte. Là, je trouve que carrément ils abusent un peu là sur les boîtes. En fait, il n'y a que 3 modèles différents sur un seul étage. C'est pas cool. Bon, enfin bref. Il y a limite un peu d'abus là. Bon, ok. Bah, à la prochaine pour la suite de l'ouverture. Allez, ciao!